Elle est partie. Non, elle est repartie. De cette vie, de cette pièce, ou seulement de ce chant. Je t'ai vu de loin. Toi qui as déchiré ce livre. Tu avais ce regard bleu furieux qui refuse tout. Avant même que je ne t'aie reconnu, tes mains avaient déjà réagi. Les pages arrachées nous ont donné un appel vert. Cette histoire d'une pauvre femme qui ne sait pas qu'elle est déjà morte et qui raconte allègrement, voluptueusement, pourquoi elle veut mourir à ce moment-là, précisément. La raison pour laquelle cette femme déjà morte veut mourir. La raison fragmentée. L'histoire arrachée, la raison fragmentée. La raison pour laquelle une femme morte veut mourir. Tu l'entends? Eh bien, je vous remercie de vous être confié sur vos films et le cinéma. Avant de terminer cette interview, je vous pose quand même une petite question comme je le fais à chaque fois. Demain, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voir un film peut-être? Non, je ferai autre chose. Mais je filme quand même. Puisqu'on n'a pas le temps, je tourne tout de suite ici, avec une caméra de Super 8, une seule bobine de pellicule de 3 minutes. Et vous voulez jouer? Moi? Pourquoi pas? Est-ce que je peux vous demander le titre? Si vous voulez, la fin du monde, tout simplement. Et l'histoire? Disons, une journaliste belle et intelligente attend un cinéaste de son rêve au pied d'un pont. Et le cinéaste, il est en fait déjà terriblement tombé amoureux de sa voix à elle, dès leur première conversation au téléphone. Il gravit les premières marches du pont. Le son de chaque pas devient une image. C'est joli. Et la suite? Ça marchera pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que il y a eu une petite hésitation chez lui. En la découvrant de plus près, sans doute lui a fait gâcher une image de pellicule. Lorsqu'il allait arriver, la bobine se termine dans la caméra. Ah non, je suis triste alors. Non, puisque c'est la fin du monde. Vous n'existez plus. Lui non plus, moi non plus. Vous voulez le faire avec moi? Non, je... その神さんが口を開けるたんび、パチャパチャと思いつばきが私の顔にかかるんだわ。できたばかりなのに、手もつけないんじゃ容体らしくって私。確かに口へ入ったに違いない。恥ずかしいもんだからおつゆの一口もと思って。かなそれがゴムついした覚えの面はしご壇の下に座って。そしてさ、が下へ触ってさ、蓋を取って口をつけた。それっきり。ほおずきの形がまるっきり見えないじゃないか。ただ口をつけたばかりにゾッとしてね。気になるからもう一生懸命。恥も外聞もありません。お蕎麦を一筋ずつと思うほど箸を入れて探したけれど、ほおずきの影もないのよ。
Va-t'en, le plus loin possible. Là, t'attendront des rencontres, les rencontres qu'il te faut. Un jour, tu serais assise à côté d'un vieux monsieur dans le métro, un questionneur. Ces questions étranges t'agaceraient un peu, parce que tu ne saurais quoi répondre. Tout d'un coup, il aurait une crise. Pendant que le train continuerait de filer, tu entendrais cet homme crier, tu le verrais se rouler sur le sol. T'aurais peur. Tout en haletant, il te fixerait pourtant et dirait, j'en ai marre de ta pantomime. Va. Tremblante, tu le dépouillerais de son sac et de sa veste. Puis tu descendrais du métro. Voilà, à présent, tu entreverrais devant toi une nouvelle direction que tu ne connais pas. そこの茶棚の引き出しから別の箸箱に綺麗なウコンの切れに包んだのをバチのさばきにはらりと解くとまだ真っ白なその象牙の色にほろりとしながら寂しく笑って「かにしておくれ」後ろが床のそばの男の形見の小机をつと寄せると羽織を脱ごうとして美しい裏を返したまま冷たいお召しの肩を細く両手を重ねてがっくりとうつむいた。ああ嬉しい。ほおずきが出るんだね。
gagner, moi je vais prendre le temps. N'oublie pas le melon et les arômes. Anna, qu'est-ce que t'attends? Anna, qu'est-ce que t'attends? Ton bigot est vraiment excellent. Et les haricots, c'est du nano. Anna, qu'est-ce que t'attends? Fricot et tes patins. La prochaine fois sûrement, faut t'inviter le président. Anna, qu'est-ce que t'attends?